Bonjour et bienvenue pour le débrief du Nintendo Direct. Oh yeah! Non mais j'en ai tellement plus rien à faire que je mélange absolument tout. Nintendo Direct <laughs> Alors que normalement on devrait dire Nintendo Direct, évidemment. Directly to you comme on dit. Et oui, c'était un événement très attendu puisque ça faisait plus de 520 jours. Combien Et en effet, 520 jours, c'est beaucoup euh, depuis euh, bah, que l'on attendait en fait tout simplement un nouveau Nintendo Direct. Et quand on parle de Nintendo Direct, c'est-à-dire de vrai... Gros Nintendo Direct, pas les mini comme on a pu avoir ben justement après. Donc, en, surtout en, dans, dans l'année 2020. Et bah ben oui, forcément, on attendait un petit peu tous et toutes justement de nouvelles informations et des gros événements comme cela. En fait, c est, c est, je peux même pas dire que j'étais déçu, mais simplement, je suis. Je suis résigné. Je, en fait maintenant je suis en train de me dire... Pff, voilà. La, la première action que j'ai eue en terminant ce, ce Nintendo Direct c'était... Voilà. Merci, au revoir. J'ai vraiment bien fait encore une fois. Je vous dis, de temps en temps j'ai quand même le nez, j'ai quand même le pif. Et je me dis, je vais pas faire de live, ça sert à rien parce que je sens que ça va puer le bras. Alors, évidemment on va essayer de relativiser un petit peu tout ça, mais euh, des jeux il y en a eu. Des jeux, il y en a eu, on a eu 50 minutes justement, et eh bien de deux de, de jeux en, en tout genre, mais mais globalement, c'est sûr que euh, c'était peut-être pas forcément ce qu'on attendait, et c'est peut-être ça aussi un peu le problème c'est de se dire finalement quand est-ce qu'on va avoir des informations sur des jeux que l'on n'a toujours pas vus, à savoir Metroid Prime 4, Bayonetta 3. Et d'autres jeux qui ont été annoncés ici et là. C'était le cas notamment de Zelda Breath of the Wild 2, même si on s'y attendait un petit peu. Mais ça commence déjà à... Voilà, je... Je... on se pose des questions. Voilà, on se pose des questions, évidemment. Donc, on va essayer de, re de remettre un petit peu tout cela en forme. Alors, je vais vite passer sur certaines informations qui, de mon point de vue, ne sont pas extrêmement importantes. Euh, vous pourrez revoir de toute façon. Le Nintendo Direct, puisqu'il y a la rediffusion sur YouTube. Euh, globalement, on va avoir pas mal d'informations, notamment sur des jeux qui vont sortir ou qui sont même déjà disponibles. C'est le cas notamment du euh, Capcom Arcade Stadium. Donc il est disponible dès maintenant, qui est en fait tout simplement une, euh, donc, pas une succession, mais une série de jeux de l'époque Capcom qui euh, donc, est disponible sur Nintendo Switch. Euh, ils sont revenus notamment sur Bravely Default 2, Monster Hunter Rise, ainsi que euh, Ghost and Goblin's Resurrection. Donc, ils... Confirmer du coup les dates. Bravely Default, donc c'est fin février. Ghost and Goblins, donc là, pareil, là on est au 25 février. Euh, L'arrivée également notamment de euh, Apex Legend pour le 9 mars 2021, avec notamment euh, deux semaines je crois de double XP pour celui ou celle qui voudrait justement en profiter. Euh, J'attends de voir un petit peu le, la gueule de, de, de ce jeu là-dessus. Là notamment la complète édition de Plant versus Zombie. Hein, donc là aussi pareil. de bah, toute façon c'est vrai que je peux vous le montrer puisque... <laughs> <laughs> tout est sur JVC puisque en effet ils ont fait un petit euh, récapitulatif, récapitulatif de l'ensemble. Stop the zombie qui revient le 16 mars. Alors ça aussi pareil. Stop the zombie c'est une licence qui, que l'on a très très vite oubliée et pourtant le jeu n'est pas mauvais non plus. Donc là pareil, euh, ça arrive donc le 16 mars. Version physique de Hades pour le 19 mars 2021 avec notamment un petit bouquin de Dartwork et tout ça et la BO à télécharger sur PC. C'est plutôt cool. Test from the Borderlands là aussi pour le 24 mars. Confirmation donc du coup de Monster Hunter Rise pour le 26 mars. Euh, Famicom Detective Club, donc ce sont de, de deux séries. Alors, je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça des visual novels. Olex vous le dira certainement. Mais c'est plus des jeux d'enquête qui n'ont jamais été traduits, qui, sont déjà, et qui ne sont jamais arrivés chez nous. Et qui vont en fait arriver donc chez nous. Alors attention, traduit en anglais, il n'y aura pas de français. Mais bon, ils arrivent quand même chez nous. Apparemment, ce sont d'excellents jeux. Donc écoutez, on, on verra à ce moment-là. 14 mai, euh, et évidemment 2021. Euh, et on va revenir un petit peu sur tout le reste. World's End Club, je passe rapidement aussi dessus, puisque les autres, je vais justement euh, mettre un petit peu la, le, le point là-dessus. Euh, DC Super Hero Girls, Teen Power, L'Appareil, un jeu qui va notamment mettre en avant donc les héroïnes de euh, l'univers DC Comics. L'Appareil, ça a été annoncé, ça arrive au mois de juin. C'est aussi le cas de Star Wars Hunters, donc un free to play pour 2021 et Outer Wilds pour l'été 2021. Euh, Outer Wilds, je ne peux pas vous dire si c'est bien puisque je ne l'ai pas fait, mais apparemment, d'après les premiers retours que l'on a pu avoir à droite à gauche, apparemment, c'est vraiment sympathique. Donc, écoutez, ça fait déjà quand même pas mal de choses. Vous allez me dire, ouais, mais dans tout ça, bibi, c'est euh, des jeux déjà sortis, parfois des remasters, des machins des bidules. Certes, mais on ne peut pas enlever à Nintendo un truc ils nous ont claqué des jeux, ah, hier ils nous ont claqué des jeux, très clairement, donc du coup, c'est vrai que de ce point de vue-là, peut-être que nous ne sommes pas la cible de ces jeux, et ça c'est autre chose, mais il y a eu des jeux, mais quand même, malgré tout, qui euh, ont été annoncés donc hier, alors c'est pas tout, on a eu aussi notamment euh, les remasters de Ledge, Legend of Mana, et de Saga, Saga Frontier, qui euh, là aussi euh, vont arriver euh, pour la, la Nintendo Switch, alors... Qu'on aime ou pas, encore une fois, les jeux, euh, ça reste des jeux quand même vraiment euh, sympathiques. Et on a eu aussi euh, donc la la confirmation, eh bien, euh, d'entrée de jeu. Et je me suis dit, commencer par ça, c'est quand même, c'est quand même plutôt logique. Mais par contre, c'est bourré de spoil Alors, je vous le dis tout de suite. Hein, si vous n'avez jamais fait Xenoblade Chronicles 2, vous, vous prenez le plus gros spoil de toute la terre. <laughs> <laughs> Le plus gros spoil de toute la Terre, c'est magnifique, c'est génial, merci Nintendo, ça fait plaisir, ils spoilent eux-mêmes leur jeu, tout va bien. <laughs> c'est notamment donc l'arrivée eh des nouveaux personnages de Smash Bros Ultimate, et notamment de Pyra et Mitra. Moi ça ne me choque pas parce que c'est des personnages qui je trouve s'adaptent totalement bien à l'univers de Smash Bros, en plus ce sont des épéistes, donc du coup c'est vrai que ça fonctionne plutôt bien. Ils feront partie donc du Fighter Pass 2, et on pourra donc switcher d'un personnage à un autre. Mais voilà! Si vous n'avez pas fait Xenoblade Chronicles 2, désolé, hein, euh, comme on dit, déso pas déso, mais euh, là en l'occurrence, c'est vrai qu'ils ont quand même été un petit peu chiants à ce niveau-là, parce que tu me dis, euh, quand tu as fait le jeu, tu comprends. Vous n'avez pas fait le jeu, peut-être ça ne vous parlera pas, mais je peux vous dire que si vous avez fait le jeu, c'est quand, <laughs> quand même impressionnant. Ensuite, euh, extension, passe d'extension pour Hyrule Warriors, l'ère du fléau, donc qui va avoir le droit à. Toute une paleté et toute une pelletée de DLC qui vont arriver par vagues, hein, notamment première en mois de juin et ensuite la deuxième au mois de novembre. Ça rappelle un petit peu en fait ce qu'on avait notamment eu par exemple sur un certain Zelda: Breath of the Wild ou même un hein, Mario Kart 8 pour ne citer que. Nouvelle mise à jour qui va arriver notamment pour Animal Crossing pour fêter les 35 ans avec des nouveaux objets, des tuyaux, des costumes, ce genre de choses, des trucs que vous pourrez donc acheter directement. Et eh bien, avec votre argent dûment collecté dans votre aventure et durant votre aventure. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas de surprise. Tout ça fait partie évidemment du décorum, de ce qu'a voulu Nintendo dans le, le côté où ils vont continuer à soutenir, et ce de manière très très forte, les jeux qui sont déjà sortis. Et ça a donc été le cas ici et là. Voilà, pour l'instant, c'est pour ça que je ne vais pas trop et je ne rentre pas trop dans le vif du sujet. Là, vous avez déjà des informations globales. Maintenant! Je vais m'attarder sur un petit peu plus de choses, forcément par rapport à certaines annonces, et notamment la première, l'arrivée de Fall Guys. Alors, concrètement, c'était en rumeur depuis pas mal de temps, euh, et bah ben maintenant ça y est, c'est officiel. Fall Guys arrive donc durant l'été, si ma mémoire est bonne, 2021 sur la Nintendo Switch. On espère que les serveurs vont tenir le coup. <laughs> <laughs> Qu'il n'y aura pas de, de cheaters en tout genre et ce genre de choses, donc on espère vraiment que ça ira. Fall Guys, comme je vous l'ai dit, euh, la meilleure frustration de l'année 2020, très clairement. C'est un bon jeu, c'est un bon jeu euh, fun, accessible, mais définitivement ultra frustrant. Euh, mais voilà, j'ai envie de vous dire. Chacun son tour, et peut-être qu'on aura d'ailleurs des petits costumes qui arriveront de l'univers de Mario, Luigi, peut-être, on ne sait pas, mais connaissant un petit peu le, le principe et le délire, il y a de très fortes chances que justement euh, ils utilisent euh, l'univers Nintendo pour y intégrer des costumes justement de, de cet univers dans Fall Guys. Donc on verra bien, ça arrive! l'été 2021. Autre annonce qui a été faite notamment pour la Nintendo Switch, euh, mais pas que. Je crois que ça, va, il me semble que ça va sortir aussi sur les autres plateformes. Faudrait que je vérifie. Voilà, du Dynasty Warriors pur jus. Vous le savez, j'adore ça. Mais ce n'est pas un Dynasty. C'est un Samurai Warriors. Et en l'occurrence, Samurai Warriors 5, qui a donc été annoncé euh, hier lors de cette fameux de ce fameux Nintendo Direct. Changement d'ailleurs notable de visuel, avec un visuel beaucoup plus prononcé vers le self-shading, et je crois que c'était peut-être la meilleure chose à faire. Pourquoi je dis ça Parce que c'est vrai que le moteur de, ce, de cette série, c'est pas le meilleur moteur qui existe. Hein, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est clairement pas le meilleur moteur qui existe, c'est un moteur qui est extrêmement vieillissant, notamment sur Nintendo Switch où on voit tous les défauts de ce moteur. Le fait d'avoir rendu un petit peu le côté cel shading, je trouve que c'est pas mal. Ils auraient pu aller encore plus loin parce que là, on a vraiment l'impression que c'est surtout centré sur les personnages. Euh, et ils auraient peut-être dû le faire un peu plus sur les décors, mais du coup, ça va peut-être permettre notamment d'avoir un visuel beaucoup plus intéressant justement pour. Eh bien le euh, la Nintendo Switch et ça serait pas plus mal vraiment ça serait pas plus mal c'est pour ça que je suis plutôt satisfait plutôt content de le voir arriver maintenant c'est comme tout il faut voir comment ça tourne hein. et vous savez que sur Nintendo Switch hein, on n'est jamais trop sûr de comment vont tourner les jeux <laughs> évidemment on est toujours là en train de se dire alors est-ce que ça va tourner et eh bien, écoutez tourner oui dans quel état ça c'est une autre chose évidemment autre annonce qu'on connaissait déjà et là clairement qui nous a permis de voir un petit peu et eh bien sur sur euh, sur ce qu'il y aurait donc euh, concrètement sur le jeu c'est No More Heroes 3 voilà le nouveau jeu grâce au per manufacture évidemment toujours aussi barré toujours aussi farfelu toujours aussi n'importe nawak où là ça va encore partir dans tous les sens avec un visuel qui pique énormément les yeux <laughs> Là encore une fois merci la Nintendo Switch parce que c'est vraiment Honnêtement, il faut que je le sorte parce que là vraiment c'est dégueulasse. <laughs> Merci à MV pour ce son exceptionnel quand même parce que là enfin c'est Franchement, c'est pas beau. Franchement, mais encore une fois, on ne joue pas à Nomori Rose pour justement sa technique, ça on le sait. Hein. Ceux qui ont déjà joué à Nomori Rose le savent, vous ne jouez pas pour la technique sur le jeu. On sait qu'ils ont toujours eu du mal à faire des jeux vraiment jolis, mais là, on le voit encore plus, c'est vraiment pas beau, les textures sont hideuses, elles sont pas détaillées. Par contre, c'est bourré d'effets visuels, ça rame. Eh oui, ça rame. Ah Akira évidemment gros 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 clin d'œil par rapport à cela et donc une disponibilité pour le euh, mois d'août 2021 ça c'est une bonne chose parce que on attendait justement une date par rapport à ce jeu si vous êtes fan évidemment et donc confirmation que ça va arriver pour le euh, mois d'août 2021 donc c'est plutôt pas mal j'attends de voir ce que ça va donner j'ai jamais été un gros gros fan des no moreiro je trouvais le délire intéressant mais peut-être un petit peu trop un petit peu trop dans, le, dans un délire un peu Bizarre, mais écoutez, moi j'aime bien les jeux bizarres, j'aime bien les jeux de Grasshopper, j'aime bien les jeux de Souda 51, donc je veux dire, concrètement, je dois être le public hein, concerné, puisque bah, moi j'ai adoré justement toute, tout ce qui était euh, Shadow of the Damned, euh, Lollipop Chainsaw, euh, Killer Is Den, euh, Killer Seven, etc. Enfin etc., bah, bref, tous ces jeux qui sont un petit peu barrés et donc qui a l'air de reprendre évidemment eh bien la même dynamique autre chose qui a été notamment annoncée et qui a été euh, donc mis en avant lors de ce nintendo direct le retour de the dragon sword eh oui dragon sword eh bien c'est ninja gaiden alors ça j'avoue que je n'attendais pas ninja gaiden je ne pensais pas que ça allait revenir très clairement eh bien, il revient dans ce qu'ils appellent une Master Collection euh, qui sera disponible sur Switch, mais pas que. Ça va aussi sortir donc sur les autres consoles. Et euh, ça va donc regrouper Ninja Gaiden Sigma 1, Sigma 2 et euh, Ninja Gaiden 3 Razor's Edge. Le meilleur, heureusement, parce que si c'était le jeu de base, ça aurait quand même, je pense, un petit peu piqué. Je dois bien reconnaître que je suis. Euh... Je suis à la fois content de le retrouver. Parce que c'est vrai que Ninja Gaiden c'est une série vraiment excellente. Alors pourquoi les Sigma euh, Bon, écoutez, je suis pas particulièrement fan des Sigma. Moi, je préfère les jeux originaux. Mais après les Sigma ont apporté notamment un réajustement de la, de la difficulté. Euh, il me semble des niveaux en plus si ma mémoire est bonne, euh, avec des armes en plus aussi. Bref, ça sera peut-être moins difficile que les autres, mais par contre ça restera quand même toujours exigeant malgré tout puisque il ne faut pas oublier que derrière on reste quand même sur un jeu qui est ultra exigeant euh, et c'est un petit peu bien sûr le principe voulu par Ninja Gaiden donc plutôt content et plutôt satisfait de le voir arriver euh, surtout si vous ne les avez pas fait puisque le 1 est bon le 2 est bon le 3 et il est ce qu'il est on va dire ça comme ça mais voilà au moins vous savez à quoi vous attendre donc après pas que sur Xbox je le rappelle donc c'est plutôt euh, plutôt une bonne pioche mais une fois de plus, vous allez me dire, bah ouais, mais Bibi, c'est bien une bonne pioche. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore quel quelque chose de surprenant. J'ai gardé un top 3 pour la fin. J'ai gardé 3 jeux, dont un notamment, que j'attends énormément. Et on va y venir justement à la fin de la vidéo. Autre petit jeu qui a été annoncé pour le 25 juin un petit golf. Alors, est-ce que ça vous tente et eh bien voilà le retour de Mario Golf sur Nintendo Switch. Alors beaucoup attendaient notamment l'arrivée et le retour de Mario Striker Football. Et euh, eh bien ça ne sera pas encore pour maintenant. Peut-être l'année prochaine, peut-être dans deux ans, on ne sait pas. Mais voilà, ce sera donc Mario Golf qui va faire son grand retour ici euh, sur Nintendo Switch. Je suis pareil, pas extrêmement fan des jeux de golf, mais Mario Golf a ce petit quelque chose qui fait toujours son petit effet, avec notamment la présence d'un mode histoire, puisque oui, ils ont expliqué. Que l'on aura la possibilité donc d'utiliser notre mi pour pouvoir donc et eh bien euh, graviter, gravir les échelons dans le mode histoire, bien entendu, euh, avec donc des modes aussi qui vont être ajoutés. On va le voir notamment. Il y a un petit mode de jeu qui va être sympa. Possibilité de le faire avec les joies les joints cons, comme je dis, euh, les joy con donc en mode, euh, comment on appelle ça, ah, en mode motion gaming. Voilà pareil hein, vous appréciez vous appréciez pas vous faites ce que vous voulez hein, vous avez le choix encore une fois et donc petite subtilité que vous pourrez faire notamment c'est ce mode de jeu qui lorsque vous avez fini donc de mettre la balle enfin la, bon, la balle dans, dans un trou et eh bien vous allez devoir aller chercher enfin même pas de la balle dans un trou c'est vous lancez en fait votre balle vous allez chercher votre balle et ainsi de suite c'est à dire qu'en fait vous avancez au fur et à mesure on voit qu'il va y avoir des power ups des pouvoirs pour aller beaucoup plus vite je dis pas, ça a ça a l'air marrant. Parce que voilà, c'est aller vite, certes c'est une chose, mais il faut faire attention de pas faire n'importe quoi. Et je pense qu'un mode de jeu comme ça peut être intéressant. Et là donc du coup, le mode histoire. Alors, je suis vraiment pas fan de remettre en route les mi, surtout pour un jeu de ce style. Euh, J'aurais apprécié qu'on puisse vraiment créer son personnage un peu mieux, parce que là, le mi euh, OMG, quoi. <laughs> OMG, euh, la personnalisation, ça sera zéro. Merci, ça fait plaisir. Donc, euh, bon, c'est dommage. On verra si on ne pourra pas faire autre chose. Mais bon, globalement, c'est quand même intéressant de le voir arriver. Et ça arrive bientôt, puisque c'est le 25 juin 2021 sur Nintendo Switch. Ce n'est peut-être pas encore une fois le jeu que vous attendiez. Je préfère le repréciser. Mais n'empêche, il est là, il arrive euh, pour peut-être votre... Plus grand plaisir. On a terminé notamment la... Euh, euh, comment dire la, le Nintendo Direct avec une annonce qui, alors moi, m'a vraiment... Mais alors là, clairement, c'est l'annonce à laquelle je ne m'attendais absolument pas. Et je, même avec le recul, je me pose des questions en me disant, pourquoi Pourquoi aussitôt Là, j'ai vu ça, je me suis dit, ok, bon, vous avez reconnu, Splatoon. Bon, personnalisation, tout ça, tout ça. Moi, je m'attendais à un mode aventure. Je m'attendais à un deuxième mode solo, ou voire même euh, une extension à Splatoon 2. Mais en fait, pas du tout, puisqu'il s'agit de Splatoon 3. Ni plus, ni moins. Alors, ça, c'est quelque chose qui me surprend. Pourquoi Splatoon 3 Alors, est-ce que Nintendo s'est dit euh, bah, c'est normal parce que Splatoon 2, il n'y a plus personne dessus Ou il n'y a plus de suivi sur le jeu, donc du coup, on va passer à autre chose on a des nouvelles mécaniques de gameplay, donc du coup, on va les montrer et on va les mettre en avant. Possible... Enfin, pour moi, c'est ce qui me semble le plus logique. Là, on voit là, justement la tour Eiffel euh, inversée. Donc, euh, moi, c'est ce qui me semble le plus logique dans l'histoire. C'est qu'ils ont raconté ce qu'ils avaient à raconter avec euh, donc, le Splatoon euh, 2. Ils ont fait le tour de ce qu'il y avait à montrer dans Splatoon 2, donc du coup, ils mettent ça. Mais alors, pourquoi faire une suite à Splatoon 3 et pas à Mario Kart Moi, c'est ça qui me, qui me surprend. La, la, comme je l'ai dit, la vraie raison à mon avis, elle est simple, c'est que Mario Kart se vend encore par palette entière, donc il n'y a pas besoin d'en faire un nouveau, Et alors que Splatoon, peut-être qu'ils ont vu que ça commençait à baisser, et que du coup, ils font une suite à, à ce niveau-là. Mais je dois bien reconnaître que ça m'a vraiment surpris de voir arriver une suite à Splatoon 3. Alors, je ne suis pas client des Splatoon, hein, autant vous le dire tout de suite, j'avais testé le 1, j'avais aimé sans plus, c'est vraiment des jeux très compétitifs, euh, basés et axés sur le multijoueur, c'est pas ma cam, euh, c'est pas mon truc, mais je dois bien reconnaître par contre s'il y a bien une chose qui est intéressante justement dans ce Splatoon, déjà c'est la bande son évidemment, mais surtout c'est que c'est un vrai jeu compétitif Nintendo accessible. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais euh, Splatoon a cette force d'être à la fois accessible pour que chacun et chacune puisse jouer avec grand plaisir, mais surtout il a cette force d'être suffisamment exigeant. Pour que le compétitif soit intéressant à jouer et justement que l'on puisse avoir, eh bien, euh, un, un, des vraies compétitions intéressantes. Bon, 2022, on a le temps de voir arriver le bazar. Mais voilà, Splatoon 3, surprenant. C'est pas l'annonce que j'attendais, mais en tout cas, c'est surprenant. Autre chose aussi qui nous a été montrée, et là pareil, on a eu un petit message de notre cher Heiji euh, Aonuma euh, qui est donc venu en disant « Bon, alors vous attendiez des, des news de Zelda Breath of the Wild 2 Eh ben désolé, il n'y en aura pas. <laughs> » Voilà, ils nous ont fait très clairement comprendre que non, il n'y aura rien du tout. Et donc que, en attendant, on aura donc Zelda Skyward Sword HD. Alors est-ce que c'est une vraie surprise dans le fond Pas du tout on savait que c'était en traitement, on a eu Wind Waker HD, on a eu Twilight Princess HD, ça paraissait logique qu'on ait un jour Skyward Sword HD. Maintenant c'est officiel, ça va donc arriver, avec aussi la possibilité d'avoir donc un, un jeu qui va utiliser à la fois les contrôles classiques, mais vous le savez, on parle de Skyward Sword, donc ça veut dire que on a les contrôles avec les Joy-Con, Joy-Con étendu. Pourquoi Puisque c'est ce qui va nous permettre en fait tout simplement, et eh bien de retrouver le style que l'on avait dans la version Wii U avec justement le Wii Motion Plus, qui était excellent. Encore une fois, on... je suis pas le plus gros fan de Skyward Sword, mais il y a quelque chose que je ne peux absolument pas enlever à ce Skyward Sword, euh, c'est que c'est un jeu avec le Wii Motion Plus qui est absolument génialissime. Clairement, c'est précis, c'est vraiment chirurgical, ça fonctionne très très bien et c'est aussi pour ça que le jeu fonctionne. Alors malheureusement, si vous n'avez pas fait le jeu, je vous préviens, le jeu, il y a énormément de recyclage dedans. J'espère que vous êtes prêts à refaire deux, trois fois, quatre fois la même chose. <laughs> je n'en dis pas plus, mais de toute façon, si vous voulez voir mon test, j'avais fait mon test à l'époque sur la version Wii, donc n'hésitez pas à aller la voir. Mais euh, voilà, autant le dire clairement, c'est pas une surprise de voir arriver Zelda Breath of the Wild. Clairement pas une surprise. Euh, Breath of the Wild. Euh, Zelda, euh, Skyward Sword. Donc, si ça vous permet justement d'attendre en éventuellement, enfin éventuellement euh, avant d'avoir un certain Breath of the Wild 2, voire même une compile, hein, parce que pour l'instant, ils n'ont pas encore parlé justement d'éventuellement de l'anniversaire des, des, de, de la licence, de, de la licence The Legend of Zelda. Euh, donc pour l'instant, peut-être que... On aura plus d'informations par la suite. Donc là, vous voyez, hein, ils, ont mis en, en, ils ont fait en sorte, justement, de pouvoir faire des contrôles accessibles, notamment sur Nintendo Switch Lite, avec donc le stick analogique droit. Je pense que c'était clairement la meilleure chose qu'il y avait à faire, de toute façon, euh, même si la vraie version euh, se fera sur Nintendo Switch classique, hein, bien entendu. Donc, euh, voilà. Ah oui, il y a aussi ça, c'est vrai. Les joints cônes euh, bleus, The Legend of Zelda Skyward Sword, je dois reconnaître qu'ils sont plutôt jolis. Euh, le la, le différentiel de couleur je suis pas spécialement fan mais c'est pour représenter et le bouclier euh, et euh, l'épée donc pourquoi pas à mon avis j'ai presque envie de vous dire euh, vous avez vraiment intérêt à réserver très vite hein. réserver très vite parce que je pense que ça va partir mais alors à vitesse grand V surtout avec les scalpeurs qui à mon avis vont tout récupérer sur leur passage et d'ailleurs soit dit en passant il faut pas oublier aussi une chose c'est que donc Arrivé le 16 juillet 2021 pour le jeu ainsi que les Joy-Con, mais aussi, ça a été confirmé notamment dans la fameuse bande-annonce, euh, enfin en tout cas le Nintendo Direct d'hier, que la console Monster Hunter Rise sera disponible jusqu'à épuisement des stocks. Et du coup, j'ai relancé un truc, c'était ici. Euh, jusqu'à épuisement des stocks. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand il n'y aura plus de stocks, il n'y aura plus de console Monster Hunter Rise. Donc là aussi faites attention si vous la voulez vraiment pour éviter qu'il n'y ait euh, plus de stock à un moment donné ou à un autre. Voilà globalement à quoi vous attendre, je dirais. Ah oui, il y, y a aussi ça, c'est vrai. Avant qu'on passe sur mon top 3, euh, Mitopia. Ouais, Mytopia, ça revient. Hein. Mytopia, il revient à 50 balles. Hein. Voilà, je. Je te juste à dire ça. Hein. Combien 50 balles. Voilà. Mytopia, 50 balles, merci, ça fait plaisir. Euh. <laughs> Alors, euh, voilà, bon, il y a des gens qui y achèteront certainement Mythopia, à 50 balles, écoutez, euh, bravo les gars, hein. mais je comprends pas. Bon, bref, euh, soit dit en passant, on va passer donc sur les jeux que j'ai retenus un petit peu, et notamment, pour l'instant, le top 3, enfin, le top 3, l'un des jeux que j'ai retenu c'est Knockout City. Alors, je vais pas mentir, ça a pas l'air incroyable, mais il y a quelque chose qui m'intéresse, en fait, dans ce jeu, et au début, je me suis dit... Qu'est-ce que c'est que ça Ça a l'air de partir dans un délire un petit peu Fortnite et tout ça. Et en fait, ça va être un jeu de la balle de la balle au prisonnier, mais avec eu des équipes. Et j'ai trouvé que l'idée était cool parce que des jeux tirés justement de la balle au prisonnier, il y en a pas tant que ça. Et le fait de le voir arriver comme ça, je me suis dit punaise, c'est cool ça. Franchement, c'est cool. Alors maintenant, est-ce que est-ce que ça va être bien euh, J'en sais rien, hein. encore une fois, je sais pas si ça va être très très bien. Hein. D'ailleurs, les premiers gameplays sont arrivés, puisqu'il y a des Youtubers euh, influents, euh, que, dont je ne fais pas partie, qui ont pu essayer le jeu. Donc, euh, à voir ce que ça pourrait donner. Mais moi, je dis, euh, bah écoutez, euh, pourquoi pas, si ça peut devenir intéressant. Alors, j'ai un peu peur que ça devienne le Rocket Arena bis, hein, c'est-à-dire le jeu qui va arriver, personne va y jouer, et tout le monde va oublier. Ça, c'est pas impossible aussi, mais je sais pas. Il a ce petit quelque chose qui m'intéresse, où j'ai envie d'en savoir plus et j'ai envie de voir un petit peu ce qu'il a présenté. Donc, Knockout City, ça arrivera euh, bah bientôt, il me semble. Je ne sais plus s'il y a une date exacte. Je crois que c'est euh, une date euh, pour l'instant de 2021. Euh, et pas plus. Euh... Ah, en mai. Voilà, le 21 mai 2021. Donc, bah écoutez, euh, pourquoi pas. Deuxième jeu où mon attente est relativement importante aussi, même si, encore une fois, j'attends de voir avant tout ce que ça va donner. C'est le jeu. Neon White. Déjà, alors, moi, il y a un truc qui m'a vraiment euh, plu dans ce que j'ai vu. C'est pas tant le gameplay, en fait, que j'ai vu. Parce que le gameplay a l'air très bizarre. Euh, voilà, on, une espèce de runner avec d'un système de cartes. On comprend pas trop, trop pour l'instant ce qu'il faut faire. Apparemment, on peut sacrifier des cartes et ça nous permet après d'aller plus vite, pouvoir faire des sauts. Voilà, on, on peut faire des, des trucs de stomp donc des, pour, pour faire du, des dégâts au sol. Enfin. C'est très bizarre. C'est un mélange de speedrun, runner avec des cartes. Par contre, ce que j'ai adoré, c'est ça. Le design des personnages. Le design des personnages, il est complètement fou. Je suis totalement fan du design des persos. Ce côté, justement, euh, bah, très. Euh, ouais, très, euh, bah, très animé, mais qui fonctionne trop bien. Enfin, je trouve, honnêtement, quand tu regardes comme ça. Il y a quelque chose qui fonctionne bien. Je trouve qu'ils ont un style. Euh, et j's... moi, j'aime beaucoup. Donc, est-ce que le design pourra aussi m'emporter vers le gameplay que veut le, le jeu Bah écoutez, j'ai envie de vous dire, euh, espérons-le. Donc, euh, pour une arrivée de mémoire, je crois qu'il n'y a pas encore de date. Il me semble que c'est 2021 ou 2022. Euh, donc, on verra évidemment comment ça va. Enfin, ils disent comics Soon. Hein, donc, euh, on verra bien à ce moment-là. Et donc, le dernier jeu. Que j'ai retenu. Dernier jeu que j'ai retenu, c'est peut-être pour moi l'annonce la plus intéressante. Et pourtant, je sais que j'ai eu peur au début. Je me suis dit, oh là là, oh là, là ça ressemble à Octopus Traveler, jeu que j'ai pas spécialement aimé, que j'ai trouvé relativement euh, chiant, on va se mentir. Euh, mais là, quand j'ai vu le style qu'il allait adopter en fait, là j'ai fait, ok, là ça m'intéresse. On part donc sur le Project Triangle, euh, je sais plus quoi. <laughs> <laughs> j'ai oublié le nom. Euh, triangle Stratégie. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé déjà le style graphique, puisque je pense qu'on va le voir après avec la vidéo de gameplay. Mais on part sur un tactical RPG. Mais un vrai de vrai, c'est-à-dire comme à l'époque de, tacti de Tactics Hogger, de Final Fantasy Tactics. Euh, on peut même euh, citer aussi euh, d'autres jeux qui ont été dans le même style. Mais là, quand on voit le jeu. Je vous dis, ça m'a fait totalement penser à Tactics Ogre et Final Fantasy Tactics. Parce que moi, je, je suis très, très, très fan, notamment, bizarrement, des FF Tactics Advance. Les FF Tactics Advance, je les ai adorés, je les ai poncés, mais alors Mais vraiment, j'ai passé des heures et des heures dessus, c'est un truc de fou. Et là, quand je vois le style, je revois FF Tactics. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais je revois FF Tactics. C'est aussi pour ça que j'ai hâte, de voir ce que ça va donner, de voir ce qu'ils vont faire. Il parle notamment euh, de tout un système où il y aurait, euh, donc c'est le titre provisoire, hein, bien entendu, euh, où il y aurait notamment un système donc de, euh, de choix moraux à faire. Alors c'est toujours pareil, hein, les choix moraux à faire, il euh, faut voir si véritablement ça va être intéressant, si véritablement ça va être euh, euh, réellement... Euh, euh pas de qualité, mais qui va vraiment peser dans la balance, où on va avoir finalement des choses qui vont réellement se passer avec le, les choix qu'on va faire. Ça, c'est toujours pareil. On est toujours là en train de se dire bon, est-ce que ça sera vraiment le cas Écoutez, ça, on verra sur, sur place. Euh, à savoir qu'il y a une démo. La démo, on l'essayera certainement en live pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, le combat avec le, le sel et le fer. Donc certainement des ressources très importantes qui vont amener donc ce, ce groupe à euh, se, se foutre sur la tronche. Et ouais, ça m'intéresse, parce que je vous dis, je revois un style que j'aime beaucoup. Et c'est ça, en fait, moi qui, qui me donne envie. Avec évidemment, très certainement, donc des spécificités, euh, avec des, aussi un système de classe. On l'a vu notamment à un moment donné... En fonction de la hauteur où, où l'on sera, on aura la possibilité bah, de forcément de prendre l'avantage sur l'un ou l'autre euh, de nos adversaires. Moi, c'est ça qui me plaît. Là, on revient au traditionnel tactical rpg et moi, j'aime beaucoup ça, réellement. J'aime beaucoup ça. On le voit notamment avec des possibilités qu'on aura si, par exemple, on prend euh, les personnages donc en étau, on aura la possibilité de faire beaucoup plus de dégâts. Les attaques magiques, bien entendu. Apparemment, des interactions avec le décor qui permettront de prendre l'ascendant sur le champ de bataille. Enfin, ouais, ça, je vais pas dire que ça vend du rêve, mais ça, ça m'intéresse. Là, clairement, ça m'intéresse. Et si c'est bien fait, si vraiment c'est bien foutu, et qu'on a un jeu au moins de la même qualité, comme je vous l'ai dit, qu'un Tactics Ogre et un Final Fantasy Tactics, je signe vraiment, mais alors sans aucun doute possible. Alors, par contre, on a le temps de voir le truc arriver parce que c'est 2022 2022, ça va être long. Mais j'ai confiance. Quand je vois ça, j'ai confiance et j'ai surtout envie d'y croire. C'est surtout ça, j'ai clairement envie d'y croire avec des attaques spéciales comme on le voit ici euh, et donc les fameux choix et conséquences qu'on aura et donc qui nous permettra aussi parfois donc de pouvoir euh, récupérer des personnages spécifiques ou pas en fonction évidemment de ce que tu as fait. Bon. On ne va pas aller plus loin, je pense que j'ai dit ce qu'il y avait à dire. Alors j'ai certainement oublié des, des jeux hein, dans, dans le tas, parce que je vous dis, il y en a eu beaucoup. Euh, donc n'hésitez pas à revoir, bien sûr, eh bien, tout ce qui a été annoncé ici et là pour ce Nintendo Direct. Donc vous voyez que, fondamentalement, il y a eu des jeux. Même si ce ne sont pas les jeux que l'on a attendus et que l'on attendait, Mais les jeux, il y en a eu. On ne peut pas dire le contraire, les jeux, il y en a eu. Maintenant, c'est euh, bah, 50 minutes de jeu un peu mais, un peu pourquoi pas, un peu moèref, euh, où certains même on se dit ah cool, super machin tout ça. Mais c'est sûr que c'est pas encore maintenant qu'on aura des nouvelles de Bayonetta 3, c'est pas maintenant qu'on aura des nouvelles de Metroid Prime 4, euh, on n'aura pas de nouveau Kirby, on n'aura pas de nouveau Donkey Kong, on n'aura pas de, de news sur Metroid de trilogie et j'en passe et des meilleurs. Bref, c'est je vous dis, il y a même, je suis même plus déçu en fait de tout ça. Je suis surtout aujourd'hui résigné. Je me dis, bon bah, de toute façon maintenant, même en attendant euh, plus d'un an et demi pour avoir un nouveau Nintendo Direct, au final, on n'a que ça et je, je dis bien que ça entre guillemets. Bah, je me dis au final, bon, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça et puis bah, on va faire avec. Mais ouais, je Beaucoup de foin, beaucoup de foin pour pas grand chose finalement. Euh, donc on sait qu'il y aura des jeux, mais c'est sûr qu'on euh, attend toujours les grosses cartouches. En tout cas, les, gros, les grosses cartouches de chez Nintendo, j'entends bien. À mon avis, on aura peut-être des news un, un jour euh, sur d'autres choses, mais c'est sûr que on les aura pas euh, et on ne les a pas eues hier, donc pour ce Nintendo Direct de février 2021. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Encore une fois, je vous dis, je ne vais pas. Euh, je ne vais pas non plus traîner la patte, hein, c'est. J'ai pas de déception. J'ai pas de frustration, mais je suis dans la résignation. Je me dis, bah voilà, c'est comme ça. <laughs> voilà, c'est comme ça. Maintenant, je ne vais plus rien à attendre. Au moins, comme ça, je serai tranquille. Merci beaucoup, des bisous et à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Paix, sérénité, force et robustesse, et vive les jeux vidéo Allez, salut tout le monde. Et à la prochaine Ciao, ciao, ciao